La présidence de la tête collée avec Négidelma a bossé dans le cadre du programme infrastructure route qui pote nous construire trois toits, mettre asphalte. Directeur général police nationale a dû présenter devant le Sénat République demain mardi 24 juillet 2018. La séance a été faite mercredi 19 juillet a pas été réalisée à cause des GPNH la demandé de reporter un compte selon vice-président Sénat Pierre-François Sildor. À l'étranger, vague chaleur a monté jusqu'à 40.3 degrés Celsius. Il y a eu 15 moun dans le pays Japon pour premier parti mois juillet. Et puis vous voyez plusieurs milliers d'autres sous cabane de l'hôpital. Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est lundi 23 juillet 2018 et c'est toujours un plaisir pour notre la caillou et présenter au journal Mitan Journée sur télévision nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur nous, William Polidor, pour conditions météorologiques là. Bonsoir William, dis-nous qui j'en sais. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble pour la prévision météorologique. Nous lundi 23 juillet, nous en début de semaine, bonne semaine à chacun de vous. On a vu comment la situation est sous région Caraïbes là. Nous avons un creux qui trouve lié au niveau de l'île d'Haïti au nord et creux ça qui en basse couche a influencé Caraïbes centrales là et Haïti nous en bas instabilité et c'est pour ça que je dis encore même si au cours de journée on a bien autant qui vent avec soleil mais en fin d'après-midi, en soirée, il y a une possibilité pour quelques averses sous région nord pays d'Haïti. Cela veut dire département nord-ouest, le nord, le centre et l'Artibonite qui concerné par activité de la pisario. Mais en soirée et au cours de nuit, dans le département de l'ouest avec sud-est et la Grenance, a gagné la picap faible à modérer avec quelques coups de l'orage. Et c'est vous, ça demande des mouns qui sont en zone Artibonite avec centre par rapport avec la pluie qui était gagné hier dimanche. Zone qui a commencé à saturer, nous demandons des précautions pour si toutefois tu as une zone qui est capable d'inonder. Pour capital avec une zone qui a bien un lieu, encore je dis, on a bien un temps qui est 21h ensoleillé en journée, mais en soirée et au cours de nuit, il y a une possibilité pour que la pluie si tout au sud de capital, là, disons quartier qui au sud, Carrefour, Petit Gouave, Grand Gouave, et vers l'extrême de l'ouest, capable de gagner quelques averses à pied en soirée et au cours de nuit. Là. En garde la température, Jean-Noël, la température, il y a à la hausse sous pays d'Haïti, Jean-Noël là. Et aussi, température minimale là, tout bien côté là, fait très chaud. Mais pour capital avec zone qui avait on la température qui descend jusqu'à 34 degrés aujourd'hui, la fait moins chaud par rapport avec la semaine dernière. Mais l'ennui d'un a senti fait de chaleur parce que le pape descend trop bas, c'est 25 degrés Celsius. La mer Ali peut agiter sous côté, mais côte sud là, agité à faute. Mais golfe de la Gonave, pas trop souci pour capter nous naviguer. Sauf que par rapport avec la pluie que nous prévoit sous région Nord, visibilité après, tu nous demandes de capter nous précaution avec prudence. Et pour pas j'assure le micro, soyez la prochaine jeudi à 7h27 et la pleuve de matin à 6h23. Merci pour faire avec nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météo. Bonne semaine à chacun de vous. Merci Wilner et bon après-midi. Jean t'ai annoncé l'antite, la présidence nan tête collée avec Mairie Delma avancé dans cadre programme infrastructure route qui pote non construit au toit mettre asphalte. Et équipe télévision nationale d'Haïti t'ai fait un viréron dans plusieurs en dans commune Delma qui déjà asphalté dans cadre programme ça et puis l'autre côté trottoir presque fini. N'a plutôt suivi un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Administration président Jovenel Moïse là dans tête collée avec mairie Delma avancé sérieusement dans travail pour valoriser commune Delma dans domaine infrastructure routière. Pour mois juillet 2018 là, il y a plusieurs grands axes dans commune Delma à plusieurs routes secondaires qui soit asphaltées, soit à fait à niveau. Équipe télévision nationale d'Haïti en visité pour vous, rue Catalpa dans Delma 75 qui a le bout de silo. Rue Casayol qui rive silo. Oui Jacques Premier dans Delma 33, oui La Montagne Delma 75, oui Marien Delma 31, pour ne citer ça seulement. C'est environ 4 km route qui a construit, sans compter 2 autres km route qui sortit Delma 75, passé puis Blain pour aller bout dans le bloc ambassade américaine. Chantier Sayo,
c'est résultat caravane changement qu'a réalisé dans quatre programmes ça qui relait construire trottoir, mettre asphalte. Ceci, bon rapport l'État central l'établit à différentes administrations communales dans le pays. J'en tape suivi le programme construit au 3 mété asphalte avancé. Merci Sabine ak Jean-Naël. L'autre information dans le journal là, vice-président Sénat a confirmé séance plénière sous questionnement. Directeur général police nationale l'a reporté pour mardi 24 juillet. Séance ça a quitté l'oué fête mercredi 19 juillet a pas fête à cause des GPNH là t'es écrit Sénat pour mander reporter en compte l'an. Sénateur Pierre-François Sildor dit, sénateur yo pat ko fin entend yo sou rencontre ça. N'a plutôt suivi avec ça dans micro fédé en confident avec Moïse Wilbridge. Une grande invitation qui est faite, mais la presse pas au courant que yo te écrit directeur général là pour te dire que ça est pas ka recevoir encore, hein. Et deuxièmement, directeur général te gagne une autre invitation qui est plus importante du président de la République pour dal là-dedans. Et comme nous pas de confinement entendre avec le président de la commission, c'est ça qui fait nous différer rencontre ça, nous voyons pour mardi prochain, 2h de l'après-midi, ce qui a été discuté par l'Assemblée des sénateurs et également avec la commission justice. Donc mardi 2h, nous invitons le directeur général. C'est qu'on a l'autre problème tout là-dedans, c'est qu'on a un gouvernement démissionnaire. Puisque le directeur général n'a pas forcément, les directeurs n'ont pas forcément leur entrée au Parlement, au Sénat. Il y a un problème qui a présenté et qui a agité au niveau de l'Assemblée. En général, c'est CSPN nous qu'on a invité. Et le directeur général l'a combiné avec CSPN. Tout. Le directeur général n'a pas entré dans le Parlement. Tout. C'est le ministre qui a combiné avec. Mais il y a un bagage qui a gardé parmi tous les directeurs généraux que le président a nommé. Tout directeur général que le président a nommé, c'est un prérogatif constitutionnel du président. C'est le seul directeur général de la police qui doit passer devant le Parlement pour ratifier. Seul directeur général. Donc, si nous avons ratifié au monde, nous devons convoquer le tout. Et c'est la même chose pour deux autres institutions, la Banque centrale et la Banque nationale de crédit pour leur conseil d'administration. Ce n'est pas le ministre qui vient avec, il a rempli tout. Donc, c'est ça que fait maintenant en discussion avec l'Assemblée des sénateurs, la Commission de justice. Nous allons inviter le directeur général là pour l'expliquer, pour nous essayer de comprendre davantage ce qui passé 6, 7, 8 juillet, tout passé. Analyse un projet loi finance rectificatif là a démarré dans le Sénat République là lundi 23 juillet d'après président commission finance là sénateur Rigaud Bélisère. Parlementaire a fait connaître commission finance Sénat, commission finance chambre député a cherché une entente pour éviter gain aller venir qui fait en deux chambres. Sénateur Rigaud Bélisère a confirmé gouvernement fait retrait projet loi finance 2018-2019 là. N'a plutôt suivi avec ça toujours dans micro Fedna confident à Moïse Wilbridge. Budget 18-19 là et exécutif là te rapatrié puisque en fonction de dernier événement en ce qui a été augmentation des carburants puisqu'il était programmé dans le budget et puis rapatrié budget 18-19 là parce que l'objectif nous c'était analyser ces deux budgets là conjointement. Mais nous avons un budget rectificatif là qui est censé un instrument important pour pays, pour nation, pour fonctionnement l'État. Et bien nous même actuellement au niveau de la commission finance, nous travaillons pour commencer analyse budget ça pour que avant longtemps nous arrivions à voter au niveau Sénat et nous croyons que au niveau chambre des députés et nous travaillons en étroite collaboration avec commission finance en chambre des députés pour que nous fassions travail ensemble pour que pas gagner avec qui fait en façon pour que avant longtemps nous doter des pays à des budgets rectificatifs. Même qu'on est un gouvernement démissionnaire, est-ce que le ministre va venir là pour nous défendre l'enveloppe budgétaire? Normalement, si nous voyons dans la Constitution, en fonction de l'article 165 de la Constitution, le gouvernement démissionnaire doit liquider les affaires courantes. Donc, à considérer le budget rectificatif comme une affaire courante, étant donné que le budget a déjà déposé dans le Sénat. Donc, dans ce sens-là, constitutionnellement, il est capable. Et ministre démissionnaire est capable de défendre le budget dans le Sénat républicain. Mais forme de tout, il n'est pas obligatoire pour que le budget soit voté pour que le ministre soit venu. Puisque le budget déjà. Nous-mêmes, c'est dans le cadre de travail technique, nous toujours chercher pour nous rencontrer avec le ministre pour avoir une explication sur le budget. Mais pas oublier au niveau ministère, il y a des techniciens qui travaillent sur le budget. Nous-mêmes, au niveau commission, nous avons un engagement nous, pour nous rencontrer le ministre. Et on dit, moi, c'est technicien qui est nécessaire qui vous fait lumière sur des points qui apparaissent, des points d'homme pour nous. Maintenant, et nous-mêmes, nous clés sur ça,
nous avons fait analyse et nous avons tout vous dit nous tout. Nous avons établi une grande première. Nous connaissons après votre budget, toujours en pile discussion au niveau de la population. Hein. Soit que y a des secteurs qui ne sont pas informés des budgets, et bien nous même fois ça, nous voulons que tout secteur, et bien, arrive invité, vienne discuter question budget avec nous pour que les budgets votés, pour pas venir constituer un problème, même genre des derniers budgets qui sont votés là, et constituer un problème pour la population. Comme nous avons travaillé ensemble avec la commission de chambre des députés, qui deadline nous baille tête nous moins pour rapport au capable. Nous même à partir de lundi n'a commencé à rencontrer tout secteur tant que économistes et secteur droits humains et autres, même si son budget est significatif, nous t'a ramené que yo venir yo ba suggestion étant donné que budget qui était en exécution là, il était fait quelques problèmes, nous t'a ramené suggestion dans votre budget ça. Maintenant au niveau de la chambre des députés, nous en pour parler avec président commission finance chambre députée pour que nous fassions un travail ensemble. En façon, aussitôt que le budget a fini de voter la chambre députée, puis c'est son prérogative de la chambre des députés pour le voter l'avant, pour que tout de suite nous votions le scénario pour là et que pour ne pas gagner avec. Donc, nous avons travaillé sur ça pour que de manière rapide, eh bien, des montants qui étaient engagés pour que légalement, eh bien, nous autorisions l'exécutif là pour que des dépenses soient faites dans l'intérêt de la population. Le dossier dans le journal la groupe sénateur pour équilibre politique GSEP, c'est non yon nouveau bloc qui prend naissance dans la République là, mardi 17 juillet. Bloc ça, gen pour objectif créer un espace dialogue avec mam liyo pour permettre Sénat voter loi dans intérêt population. Porte-parole bloc là, sénateur France Denius fait connaître bloc ça pas participer dans prochain gouvernement yo, il encourager tout l'autre parlementaire pas proposer ministre ni directeur général. N'a quito suivre et en extrait. Objectif groupe ça, c'est créer un espace de dialogue entre membres pour nous capables de façon efficace et exercer fonction nous qui c'est contrôler action gouvernement et voter loi pour faire société à fonctionner comme ça doit. Défendre intérêt supérieur l'État et collectivité territoriale, participer dans le travail et commission pour nous capables de rendre le Sénat beaucoup plus prolifique. C'est un groupe et bloc parlementaire qui a 10 sénateurs la dernière. C'est Oni Célestin qui est président bloc là. Jean-Rigo Bélizère qui est vice-président. Garcia Delva qui est secrétaire. Moi-même, France Nédenius qui est porte-parole. Nous avons Pierre-François Sildor, vice-président Sénat, qui est membre de la Dani, Wilfried Gélin, vice-questeur, qui est membre tout, Jean-Marie Ralfétière, qui est membre, Naoun Marcellus, qui est membre, Denis Cadeau, qui est membre, sénateur Onan Dieu, qui est membre. Et groupe ça, il y a une ligne que la suivre, il dit un, il parle en négocier pour poste ministériel, pour poste directeur général, lui encourager l'autre sénateur, l'autre député pour ne pas faire le tout, et lui conseiller président pour lui pas chita négocier avec parlementaire pour monter gouvernement parce que gagner pouvoir exécutif qui a exercé action et gouvernement qui a exécuté loi ou gagner pouvoir législatif qui a contrôlé. Et comme nous baillons tête nos objectifs pour nous contrôler action gouvernementale, eh bien, nous décider pour ne pas rentrer dans l'INSA que nous connaissons, pas ici en lui-même, il va. Le groupe a souhaité que nous avons parlé, les partisans inscrits. Les partisans inscrits. Ouais. C'est aujourd'hui, hein. C'est ton groupe sénateur. Donc, parce que qui t'a réfléchi, qui te comprend, qui parce que même idéologie. Et je dis, hein, nous voulons comprendre la nécessité pour que nous inscrivions. Et nous inscrivions légal, mais c'est pas question de nous diviser. Il y a une bagarre qui est importante que notre population. Nous-mêmes, si sénateurs, ça, à part que nous ne pouvons pas participer dans le choix des ministres ou dans le choix du directeur général, et question qu'on a dit, vote politique, là, et nous-mêmes, nous n'avons pas assuré que pas de vote politique pour le ministre. Après, on vote technique d'abord. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons pris 10 sénateurs pour nous garder tout papier.
Un premier ministre, elle dit, pas payer taxe au premier ministre. Techniquement, pas qu'un premier ministre, pas premier ministre. Elle dit, non, pas bon vote politique. Parce que tout le temps, mon premier ministre qui a pris un avion, il a des députés, c'était toujours vote politique. Et cette fois-ci, nous, à côté vote politique, nous avons toujours mené. Même là que nous avons assemblé politique. Même si nous avons assemblé politique, il faut nous faire un travail technique. Tout. Et nous assurons la population, le gouvernement, ça a fini là, la bon vote pour technique, mais bon vote politique que la première. Toujours sous même dossier, sénateur nord-ouest là, Kidler Augustin, mon collègue Lio, qui était président, formé gouvernement, pour parlement, pas proposer ministre à directeur général, yon façon pour yon cas jouer rôle yon contrôler action gouvernementale là. Sénateur Kidler Augustin, confirmé, li pas président bloc majorité encore dans le Sénat, l'a prêté yon sénateur indépendant. Yon extrait dans le micro, fait bien confident avec Moïse Wilbridge. Pour conjoncture actuelle là, je dis à un gouvernement qui doit monter, c'est permettre le président de l'attitude pour monter le gouvernement lui et exercer contrôle véritable là. Contrôler avec qui ça? Contrôle. Ça veut dire que le ministre va venir là, on va pas le faire contrôler sur lui, mais comment on est capable de contrôler. EDH va contrôler lui, santé va contrôler, non, interpeller, convoquer, le premier bagage pour faire, c'est quitter le gouvernement, former le gouvernement. Pour pas contrôler. Non, c'est pour pas besoin de ça. Nous pas besoin de ça. Nous pas besoin comme si on allait parler pour aller batailler, pour dire que responsabilité partagée. Ça, c'est bon, ils sont pas. Nous ne pouvons pas sortir jeudi. Même moi, je pense que jeudi, c'est pour nous bailler le gouvernement, l'attitude pour former le gouvernement. Et qu'il y a même pour capable d'inviter lui. Normalement, et l'inviter ou pas faire des bagages comme ici pour nous accommoder, nous poser les questions que la population attend que vous posez. Vous parlez de nouveau groupe de majorité, même pas qu'à parler pour vous-même. Moi-même, je pense qu'il y a un peu de collègues là-dedans qui sont capables d'aller dans la même ligne ensemble avec moi. Moi, je ne position pas en tant que sénateur, je ne position pas au niveau de la République. Sauf que, je dis à. Moi, je crois que pour l'existence même de l'institution sénatoriale, les parlementaires dans l'ensemble doivent comprendre, ils sont capables d'impérativement pour faire des sacrifices au niveau personnel pour permettre que l'institution ça existe. Parce que ça n'a pas gardé là, et bon calme apparent, mais cependant, rien qui gagne contre l'institution parlementaire il existe. Et je dis à, si les collègues ne peuvent pas comprendre qu'ils ont perdu son intérêt individuel, eh bien, nous tout a perdu véritablement. Voilà, autant suivre explication sénateur Kidler Augustin. L'autre nouvelle, vendredi 20 juillet, responsable ministère intérieur collectivité territoriale yo paye moun ki kon ap nettoyer place publique yo 6 nan 12 mois arrière salaire ministère adwe yo. Directeur général ministère en fait Del Moncheri expliqué l'état haïtien déjà versé 18 mois arrière salaire sous 24 mois travail citoyen sa yo. Directeur général ministère intérieur collectivité territoriale yo fait mon chéri fait connaître, il a fait tout ça qui est possible pour bay travailler ça yo reste l'argent yo avant longtemps. N'a qui tout suivre un extrait dans déclaration Fidel mon chéri dans micro Johnny Arbi Casseus ak Henri Robert chéri. Place publique yo c'est pas seulement dans Port-au-Prince yo mon n'a payé là tout yo sorti Pétionville Delma Tabar. Il a couvert 6 mois. Premier période là t'es couvert 12 mois. C'est un total de 65 millions de goudes que nous devons employer place publique pour 2 ans. Je dis à la, n'a pas 6 mois sous 12 mois de territoire. Ça veut dire que nous avons 12 mois déjà en décembre. Et je dis à la, n'a pas 6 mois qui fait 18 mois. Donc nous avons un quart pour nous. Ça veut dire que nous devons 6 mois. N'a pas annoncé une distribution qu'a faite pour le ministère intérieur transférer et dossier place publique à mairie qui concerne yo. Nous prenons par exemple mairie Tabar, nous déjà libéré place Hugo Chavez là par magistrat Nis Simon. L'autre place surtout différentes mairies yo, yo pral entrer en possession de place yo. Mais majorité place c'est dans la cour Port-au-Prince yo trouvé yo spécialement dans environnement côté nouer là. N'a remercier ministère finance à cadre ministère intérieur à mairie Port-au-Prince et l'autre mairie yo qui te permettent payer ça possible. Voilà, c'est moment pour observer un coup de pause dans le journal là, pas déplacer, n'a tourner tout de suite après. Ministre
ministère de l'éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campagne un programme qui relé l'école zanmi l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître li c'est l'école zanmi l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gien poubelle dans la cour avec en dans salle classe. L'école là doit gien plusieurs toilettes bien propres. Toilettes grand monde doit pas. Toilettes petite fille doit séparer avec toilettes petit garçon. L'école là doit gien de l'eau avec savon pour laver mains avec de l'eau traitée pour élèves yo boue. Faut gien séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gien tout yon clip santé cap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance l. L'a réalisé en partenariat avec DINEPA, MSPP, FAES, UNICEF. Dans l'actualité internationale, là, dans le pays Japon, bilan période chalet a grossi de jour en jour. Officiellement, vague chalet a gen tan fait 15 morts dans les deux premières semaines mois juillet. Média local a recensé 11 cas en mort pour 16 jeunes samedi et puis plusieurs milliers de monde ont été éteints l'hôpital. Autorité japonaise a été bâillé quelques nouveaux conseils avec avertissement lundi passé contre vague chalet. La température a varié en 35 à 40 degrés Celsius dans l'ombrage. Avec un record historique 40.3 degrés Celsius dans la capitale pays à Tokyo. Personnage yo ak jeune timon yo représenté catégorie qui pi sensible ak vague chaléa qui pote en même temps yon gros pourcentage humidité. Vague chalet sa pote en pile inquiétude sous jouet olympique Tokyo yo qui ta doué déroulé en 2020 en même temps époque là entre 24 juillet ak 9 août. Expert yo paix pour vaporisateur yo ak couche espèce Sialio Pacifique pour absorber chalet Sayo. Dans le dossier sport, gardienne sélection haïtienne puis petit passé 20 l'année, pas disponible pendant 3 semaines à quelques jours démarrage compétition ça. Et puis à l'étranger, Supercoupe d'Espagne, Barcelone avec FC Séville pour rencontrer 12 août qu'a venu là non pays Maroc pour titre champion Supercoupe Espagne saison 2017-2018 là. La présidence de la tête collière, Néridelman, a voté dans le programme infrastructure route qui porte nous construire le toit, mettre asphalte. Directeur général de la police nationale a été présenté devant le Sénat République la demain mardi 24 juillet 2018. La séance qui a été faite mercredi 19 juillet n'a pas été réalisée à cause des GPNH la demandé de reporter rencontre selon le vice-président Sénat, Pierre-François Sildor. À l'étranger, vague chaleur qui montait jusqu'à 40.3 degrés Celsius, tout y a une quinzaine de monde dans le pays Japon pour premier parti mois juillet. Et puis, vous voyez plusieurs milliers de l'autre sous cabane de l'hôpital. Voilà, c'était un plaisir pour nous être ensemble et c'est la journée à la bout pour aujourd'hui. Merci pour fidélité.